Oui, donc excusez-moi, voilà. C'est mon père, il a dit qu'on courait après les poules, sauf qu'il ne sait pas vrai. Donc voilà, je vais vous montrer. Là, vous voyez, on voit bien son œil. Et de l'autre côté, il a son œil bizarre. Voilà, on va le laisser partir. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. On va le laisser, hein, on va le laisser, très bien. Donc voilà, là, c'est la nourriture pour les poules pondeuses. Ici, c'est pour mes poules négressoises. Voilà. Et là, c'est pour mes oies. Donc, mon frère, il va les donner aux oies. Les oies, c'est sous la cabane là-bas. Moi, je vais les donner aux grosses poules. Donc, vous allez voir mon visage, hein. Voilà. Donc là, je sais pas si vous m'entendez bien. Je leur mets à manger. C'est bon, t'as mis la. T'as mis les graines, attention. Donc voilà. On va mettre ça à l'abri, vas-y. Je vais mettre ça à l'abri. Et je vais leur faire d'autres tas. Voilà, je leur fais des petits tas aux poules. Donc voilà, c'est comme ça. Et on va prendre l'œuf. Donc je vous disais, mes pondeurs, ils étaient un petit peu pourris, hein. Et c'est le cas, mes pondeurs, ils sont très pourris. Donc là, avec mon père et mon frère, cet été, on va refaire les pondards. Donc vous voyez, c'est franchement de la merde, hein. Ça tient pas, on met le pied, ça va tomber. On va tout refaire, franchement. Vous allez être contents, mes abonnés. Bah, d'ailleurs, je vous remercie parce qu'on est 30 sur la chaîne. C'est énorme. Voilà, on va mettre de l'eau aux oies. Tu mets de l'eau aux oies. Donne l'œuf. On va aller chercher l'œuf chez les poules négressoises. Mon frère va mettre de l'eau chez les oies. Donc dites-moi si vous aimez bien comme ça les vidéos où je suis en compagnie de mon frère. Voilà. Donc là-bas, il y a mes oies. Et là, je vais vous filmer mon âne. Là, il y a ma petite poule qui boite. Et je leur ai mis de la braise. Oh, là, il y a une poule qui pond. J'aurais mis de la cendre, je veux dire. Donc voilà, j'aurais mis de la cendre. Voilà, de la cendre. Là, on va essayer de pas trop aller déranger la poule. Voilà, non. Donc normalement celle-là elle veut pas couver. Hein. Bah dites-moi, je vais regarder. Non, c'est bon, elle veut pas couver. Ah, celle-là elle est bavarde. Hein. C'est celle qui a perdu ses poussins. Elle a perdu tous ses poussins. Et en parlant, vous vous rappeliez de celle-là là. Celle qui avait eu le poussin, et eh ben ils sont morts. Mais maintenant il n'y a plus que lui qui est né. Bah il n'y a plus que lui. Et malheureusement ça va être un coq. Hein. Un coq soit noir. Donc voilà. Elle est ma petite poule qui boite. Donc, je vais poser les œufs. Je vais les donner à mon frère. Tiens, il y en a trois. Voilà. Tu peux aller me chercher la nourriture pour les négressoires. Donc, voilà. Franchement, j'ai des poules soies magnifiques. Tout le monde est magnifique dans mon élevage. Et je vous l'ai peut-être dit, je l'ai dit à Jardimo dans son live. Déjà, moi, je vais lui faire de la pub parce que Jardimo, franchement, il fait des superbes vidéos et tout. Il m'a aidé. Attendez, donc il est dans la charrette. C'est le petit truc pour fondeuse. Donc il m'a aidé. Il me donne des conseils, Jardimo. Donc c'est franchement un pote. Donc cette vidéo, c'est aussi un petit peu une pub. Donc je lui fais une pub à Jardimo parce qu'il est franchement sympa et tout. C'est un pote, bah. Je le connais pas, mais franchement, il est hyper sympa. Il fait des vidéos de trop belle qualité et tout.
Il m'a dit de pas trop bouger comme ça, donc je vais le faire. Je vais m'améliorer. Et aussi, comment ça s'appelle? Voilà, donc le poussin il s'est un petit peu chassé. J'ai comment ça s'appelle? Je vais faire aussi une pub à l'élevage de Damien parce que je pense qu'il mérite pas. Bah, il mérite plus d'abonnés. Franchement, il est énorme lui. Avec l'élevage d'Esteban et l'élevage normand, eux je leur fais des pubs. C'est un petit peu des pubs à tous. Donc voilà, là il y a mon frère qui ramène le grain. T'as mis l'eau chez les oies, à ras-bord. On va aller en remettre. Donc voilà, je leur fais des pubs. Là il y a la nourriture. Mon frère il va mettre le pain. Donc je leur fais des pubs à tout cela. Je leur fais des pubs. Donc, je pose juste la caméra, vous n'allez pas trop voir parce que vous voyez ça en dessous. Là il y a le pondoir. Voilà. Bon, mon frère il va pousser le. Voilà, on laisse comme ça, c'est pas grave. Laisse comme ça, laisse comme ça. Donc voilà. Donc là, vous voyez, je mets la vidéo. Toi, tu vas mettre de l'eau chez les Je vais voix. mourir. Non, mais c'est une grosse dans l'eau là. Donc voilà. Et je voulais aussi vous faire, je vais peut-être faire une FAQ. Hein, une annonce d'FAQ, tout. Donc voilà. Vas-y, filme. Et aussi, donc mon père il m'a dit, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, il commence à être vieux mon père. Donc du coup voilà. Et avec mon frère on est dégoûté parce qu'on aimerait bien plus d'effets. Je vais peut-être prendre des canards courants, on dirait, ce serait sympa. Voilà. Voilà, donc filme l'eau là. Filme. Donc là il y a l'euro, à notre petite poule. Je vais leur enlever. Donc si je prends des canards courants, on dirait, j'enlèverai ça serait leur bassine. Hein. Donc voilà. Là-bas, il y a ma petite poule qui ne mange pas trop trop. Dézoom. Donc voilà. J'ai aussi d'autres choses à vous dire. Je vais peut-être racheter des poules pondeuses, mais que ça, mon père, il veut. Voilà. Quoi d'autre à vous dire? J'ai. Dans mon collège, on a un poulailler. On a commandé des poules à la ferme de Beaumont. Donc voilà, bah vas-y, filme. Là, on va sortir de l'enclos des nègres soie. Dans la cabane. Là, je vous montre vite fait la cabane, on est sous la vue. Là, il y a une poule qui pond, vous l'avez déjà vu. Et là, ici. Et donc, ici, c'est là où les poussins ils sont avec leur mère. Donc, voilà, c'est une petite éleveuse qu'on a fait. Et aussi, je voulais vous dire, j'ai fini ma couveuse. Ma couveuse est finie. Bouge pas trop, bouge pas trop. Donc, voilà, ma couveuse est finie. Et donc, du coup, voilà, vas-y, on va y aller. Ma couveuse est finie. Donc voilà, là regardez les poules nègres soie. Elles mangent, on va sortir. Tu viens? Elle où la nourriture ça, pour les poules soie? Comment? Le bac, la poule pondée, dis donc. Poule pondeuse. Le seau? Oh non, le petit truc, ah tu l'as laissé. Non, il est là. Bon, mon frère va aller vous filmer chez les pondeuses, j'arrive tout de suite. Le coq fait sa balade. Donc voilà. Là, il me repasse la caméra. Vous voyez, il y a dépassement. Puis j'espère que tous mes coqs vont mourir à mes coqs de pondeuse. Ou pouvoir les donner, franchement. Je suis dégoûté parce que j'aurais pu aller le vendre sur le marché, le gros coq. J'en aurais tenu à un bon prix. Mais sauf que maintenant, il a l'œil percé. Voilà, là, il y a ma belle poule, Arto. Marrant. Ah, je suis très fier de cette poule. Et je vais me dépêcher parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc amène tout toi. Mais pourquoi t'as pas mis de l'eau là-dedans? Il a eu un problème. Ah, il est percé. Ah, ah. Donc voilà. Le verre s'est amusé à le casser. Donc voilà. On va leur acheter un truc. Je vais leur. Ouais, on va leur acheter une bassine peut-être. Ou je vais peut-être mettre celle-là là, pour eux. La femme de mon. Voilà, donc on va vite fait donner. Aux chèvres, tu prends pour les chèvres et le cochon. Tu prends chèvres et cochon. Donc dépêche-toi parce que j'ai plus de batterie, Fabien. Voilà, là c'est pour les oies normalement. Mais mes oies, elles préfèrent. Elles sont où d'ailleurs mes oies? Voilà. Donc je vous dis, si j'ai des coureurs à venir, je vais leur faire. Je vais les mettre là-bas, là.
à côté de Ménage Reçois. Et excusez-moi si la qualité est pas superbe, mais franchement je suis débutant dans la vidéo. Donc voilà. Bon, toi t'as l'œil percé, c'est un petit peu chassé. Voilà, donc tu nourris, moi je les filme. Elle s'appelle Doudoune, hein, mon cochon. Ça c'est mon bouc. Ça c'est mon mouton, voilà. On a tout fait maison. Tu donnes la Doudoune, je donne la copain, la préfète. Voilà, on les nourrit là-dedans. Non, 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 il y a le bout qui est sorti. Fabien, Fabien. Voilà, le bout essaie de sortir un petit peu. Il est coquin. Donc on va vite faire, vite fait, très vite faire. Allez donner à l'âne. Et notre poney, il est parti chez la voisine. Allez, hop là, on y va. Donc voilà, il y a les œufs. Hein. Des fois, il y a des faisans. Ah oui, et puis mon frère me dit des fois, il y a des faisans. Mais je vais couper parce que j'ai plus beaucoup de batterie, donc je coupe. Et je reviens. À tout de suite.